Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 21 Hishvan et nous sommes Daf Lamed Dalet de Shabbat. On va donc commencer par la nouvelle Mishnah Matnitin, donc à la 12-13 lignes à peu près. Matnitin, c'est le Shabbat de Vadim, c'est-à-dire Adam Nomad Betor Betor de Shabbat Aim Hashecha. Donc trois choses un homme doit dire chez lui à la maison vendredi après-midi, juste avant la tombée de la nuit, donc avant l'entrée du Shabbat. C'est quoi ces trois choses? Aïssartem. Hein? Je m'ai entendu. Avant la tombée de la nuit. C'est l'obscurité. Avant l'entrée du Shabbat, quoi. Alors, première question, il leur pose, est-ce que vous avez fait prélever le maaser ou pas? Pardon? Tu voulais quand? Je m'ai entendu. Tu voulais le faire quand? Ah, justement, pourquoi il dit maaser? Rachid l'a dit. Pourquoi il dit maaser? Imagine, tu leur dis à midi. Ils vont te dire, ouais, attends, non. Ils vont oublier. Il faut pas le dire à midi, ça sert à rien. D'accord. Tu leur dis juste avant qu'il faille le faire. Maintenant, donc, Aïsartem, est-ce que vous avez prélevé le maaser ou pas? Aïravtem, est-ce que vous avez fait l'Aïrouv ou pas? Alors, avant, on n'oublie pas, enfin, aujourd'hui, on peut le faire. Aïrouv Terhomen, Aïrouv Hatserot, on verra après dans la Gemara les explications. Et, Hadli Koetaner, allumez les veilleuses. Rappelez-vous, on avait dit, donc, Aïsartem, il leur pose la question. Est-ce que vous avez fait ou pas? Parce qu'il ne sait pas s'ils l'ont fait ou n'ont pas fait. Par contre, dans les veilleuses, il ne leur dit pas est-ce que vous avez allumé ou pas. Ça, ils voient s'ils ont allumé ou pas. Donc il leur dit allumez s'il vous plaît. Maintenant, ça c'est tout ça. Aïm Hashira, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit. Maintenant, Saver Hashira, Saver El Hashira. Si on est dans on est après la Shkira. Donc, la Hashira, c'est la Shkira. On est après la Shkira. Donc, c'est pas encore la sortie des étoiles. On est un petit peu ce qu'on appelle Benashmashot. Alors, la Mishnah dit, En me'aseren tabaday. On n'a plus le droit de faire ma'aser du baday. Baday, c'est une récolte sûre qu'il faut prélever. On n'a pas le droit de prélever Shabbat. Même quand on est dans Benashmashot, d'accord? C'est assaut. Parce que c'est, comme prélever, c'est Minatora, donc c'est à soi de le faire même Benash Mashot. Ben Mat Benin El Tokelim. Non. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Tu es en train d'avancer. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Tu as avancé plus que moi. Alors, En Marasen et Tavadai. Ben Mat Benin El Tokelim. On ne fait pas de Vilat Kilim. D'accord. On ne fait pas de Tvilat Kilim. On ne fait pas de Tvilat Kilim. On vérité, à la aujourd'hui, oui. Mais on parle de l'époque où la Tvila, elle était nécessaire, Minatora, puisqu'il y avait la tombe A. Et on n'a pas le droit d'allumer les veilleuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout maintenant, donc en hiver où la Shabbat y rentre bonheur, il faut prévenir les dames de ne pas trop se traîner pour allumer les veilleuses. Et donc, tu vois bien que s'il y a Saver Hashira, on n'allume pas les veilleuses, c'est assourd. À partir de la Shkira, on n'allume pas. C'est mieux de rentrer Shabbat sans allumer que de faire des péchés. C'est l'heure qui est marquée dans le calendrier, là. Pas tout à fait, parce que l'heure qui est marquée dans le calendrier, c'est 20 minutes avant la Shkira. Ah, c'est bon. Donc, on permet encore 10 minutes, un quart d'heure maxi, mais pas 20 minutes. Mais ça doit rester exceptionnel. Donc tout ça, on n'a pas le droit de faire, donc ça fait Hashira ben Hashmashot. Aval, mais Aseden et Tadimai, on a le droit de faire de Maaser de Maï. Maï, c'est donc, rappelez-vous, c'est la récolte de l'ignorant dont on ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Comme lui-même c'est un Safek, on peut faire le Maaser. Ou Maalevin, et on peut faire Aïrouv. On verra donc la Gemara va poser la question, comment tout à l'heure je te dis, on ne fait pas Aïrouv, mais l'autre dit de faire Aïrouv. Bet, on est Tahamin, et on a le droit donc de faire Hatmana. Ce qu'on appelle Hatmana Tomnin et Tahamin, c'est quelqu'un qui a un repas chaud, il veut l'envelopper dans une couverture pour qu'il reste chaud jusqu'à demain. Il a le droit de le faire Benashmashot, c'est-à-dire donc juste après la Shkira, et on verra combien de temps après la Shkira. Et ça fait qu'il nous Hashira, c'est quand? Ça fait Hashira, ça fait qu'il Hashira, c'est ça le Benashmashot. Ah, c'est votre phrase? Eh oui. Ça fait Hashira. Est-ce que la nuit elle est vraiment tombée ou pas? C'est le Benashmashot. Alors, on va passer à la Gemara. La Gemara dit Mena animile. D'où on sait ce que la Mishnah a dit donc avant Shabbat. Aïm Hashira, il faut dire trois choses à la maison. Est-ce que vous avez prélevé le Maaser? Est-ce que vous avez fait l'Aïroub et allumé les Béz? D'où on sait cela?
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Kla, c'est marqué dans le pasuk. Viadata ki shalom aholech, ufaqadata naavcha velo tehita. Le pasuk il dit, Viadata ki shalom aholecha, donc tu sauras que ta tente elle est en paix, ufaqadata naavcha, et tu vérifieras ta maison velo tehita, et tu ne fauteras pas. De là, on a appris. Le shalom, c'est par rapport aux veilleuses. Quand, rappelez-vous, on avait déjà dit que les veilleuses de Shabbat de vendredi soir, c'est pour le shalom bayit. Et, velo teheta, tu ne fauteras pas, bien sûr, quand tu dis prélever le maaser, faites le haïroup. Comme ça, on ne viendrait pas à faire des charges de shalom. Donc, ça, c'est le pasuk à partir duquel les haramim ont déduit, donc, ces trois choses qu'il faut dire le vendredi après-midi avant Shabbat. Amar, adaba, badadavuna. Afagab de amour, adabana, sushad, vanin, sadadam, le mad, vicholé. Même si, Rabba Bar Ravuna il dit comme ça, même si les Hachamim ont dit trois choses un homme doit dire à sa maison, donc avant l'entrée de Shabbat, eh bien, ça veut dire il faut les dire gentiment, calmement. Il ne faut pas commencer à crier, à mettre la pression, alors que déjà la pression elle bat son plein, il faut les dire gentiment. Hein? Non, est-ce qu'il leur dit, est-ce que vous avez fait ou pas? Si, dans le papier, il vient le faire. Le maaser, parce qu'il faisait la récolte de maaser à Shabbat. C'est le maaser. Pourquoi il n'y a plus ça? Non, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Maaser, on n'a pas. Hérouf non plus, pratiquement. Mais allumer le veilleuse, tout le monde dit. Il faut faire tous les Shabbats. Enfin, pas tous les Shabbats. Si il faut faire Hérouf, il faut faire. Si on a fait, on a déjà fait. Mais on parle des trois choses, là. Mais il y a plein de choses qu'on doit prévoir pour Shabbat. C'est vrai. Aujourd'hui, on a plus de choses que. Enfin, on a avant, plus. Avant, de... Oui, il y a la minuterie, la plaque. Là, on parle des trois choses. Ouais, mais ce qui était fréquent à l'époque. Hein? Non, Aïm Hashira, c'est avant la Shkira. Aïm, avant. Non, Aïm, c'est avant. Voilà. Alors, qui rit de la rabbin nominée comme ça, donc la femme, elle accepte ça de façon élégante, sans crier. Amad Adabashi, il a dit Ramashi. Anna, la chamea liha de Rabba Bar Ravuna, vekayamta misvara. Rabba Shi l'a dit, moi, j'ai pas entendu cet enseignement de Rabba Bar Ravuna, mais je l'ai déjà pratiqué de façon, par la logique même, qu'il ne faut pas crier à la maison. Bien, maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara dit, ha gufa kasha. La Gemara dit comme ça, Amrat, tu m'as dit d'abord dans la Mishnah, Shosad Vanim Sadadam, la Vatamatara de Shabbat, Aim Hashira. Donc, les trois choses dont on a parlé dans la Mishnah, donc, est-ce que vous avez fait le maaser, est-ce que vous avez fait le hérouf et allumer les veilleuses. Cela, il faut les dire, aïm hachira, c'est-à-dire, avant la tombée de la nuit, avant la shkia. Donc, aïm hachira, hachira, im. Ça veut dire hachira, c'est vrai, hachira, là. Donc, ça veut dire tout cela, si la Mishnah dit, il faut le dire avant la shkia. Donc, si c'est, on est après la shkia, on n'a plus le droit de le dire. Alors, comment tout de suite après, vehadartan, il savait hachira, c'est vrai, hachira, mais allez. Comment alors dans la Mishnah, juste après, il y a marqué, Saver Hashira, Saver Hashira, mais Advin. Voilà, juste après, la Mishnah dit, si on est après la Shkira, on fait le Hérouv. Alors, comment au début dans la Mishnah, on dit, le Hérouv, il faut le faire avant la Shkira. Et maintenant, tu me dis, si on est dans Saver Hashira, Saver Hashira, on est déjà après la Shkira, la Mishnah dit, il faut faire Hérouv. D'abord, tu me dis, il faut faire le Hérouv avant, maintenant, tu me dis, on peut faire le Hérouv après. Donc, question de la Mishnah, de la Gemara. On va voir les réponses maintenant. Alors les réponses, il y a ici Siman, Pigufia, Zimra, Sipora, Behavla, Demilta. Tout ça, ce sont des simanim pour obtenir donc des réponses. Siman lui-même. Hein? Siman lui-même. Non, Siman, c'est le signe. C'est quoi le signe? Ce qu'on va dire maintenant, c'est ce qu'on va répondre à propos donc de la question. Ce sont les différentes réponses qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant. On a vu qu'on ne pouvait pas le faire. Là, il y a marqué Savek Hashira, Savek Me'advin. Là. Savek Hashira, Savek Hashira dans le Mishnah. Aval, Me'advin, ou Me'advin. Donc on fait le Hérouf. Quand est-ce qu'on le fait? Savek Hashira, Savek Hashira, on est après la Shkira. Oui, on peut le faire, mais on peut le faire avant aussi. Très bien, mais non, pas comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué le Hérouf, Asaten et Araften. Avant. Il dit, est-ce que vous avez fait? Donc ça veut dire, avant, il faut le faire avant la tombée de la nuit. Oui. Donc si après, on n'a plus le droit de le faire. Et après, la Mishnah dit, après, tu le fais dans un groupe. C'est ça la contradiction. Ah, mais. Si on peut le faire avant la Shkira, on peut le faire pendant la Shkira. Alors pourquoi alors tu leur dis avant la Shkira? Dis-leur pendant la Shkira. Puisque nous, on dit, il faut le faire juste avant. Non, précaution.
ou c'est permis ou c'est pas permis. Précaution au contraire, si tu en dis bien avant lundi, si on dit trop avant, ils vont pas le faire. Ben oui, ils vont te dire, il y a le temps, il y a le temps. S'ils l'ont pas fait, ils ont le temps de le faire. Dans ces cas-là, dis-le avant, pourquoi tu le dis après? C'est ça. Ouais, mais c'est ça, il n'y a pas de c'est ça. Quand il leur dit, les femmes, elles ne vont pas dire, attends. Justement, comme on est un quart d'heure avant la shkia, la femme a arrêté tout, elle fait ça. Ouais, mais c'est pas une minute pour faire Irouv et Maaser. Ça prend deux minutes. Hein? Très bien. La Michelle a dit, comme ça. Avant la shkia, il demande à la maison, est-ce qu'on a fait l'Irouv, oui ou non? C'est-à-dire, si on n'a pas fait, il faut le faire maintenant. Parce que avant, sinon, on comprend que c'est après et c'est pas bon. Et pourtant, après, la Mishnah a dit, si on est après la Shkira, on peut faire l'aéro. Alors, quoi ça te pose la question avant? C'est contradiction. Alors, donc, première réponse de la Gemara. Donc, Rabbi Abba, au nom d'Av Haya Badashi, au nom de Rab, il a dit, il n'y a pas de question. Kan be'arouvet Tehomin, kan be'arouvet Hatzerot. Il y a une différence entre Eruv Tehomin et Eruv Hatzerot. Alors j'explique. Eruv Tehomin, c'est quand quelqu'un veut sortir de la ville. Vous savez qu'on est dans une ville. On a le droit de marcher un kilomètre en dehors de la ville, pas plus. Si quelqu'un veut maintenant ajouter un kilomètre dans une direction, avant l'entrée du Shabbat, il pose un repas. Ça lui permet, donc ça lui fixe sa résidence ici. Ça lui donne l'autorisation de marcher un kilomètre de plus, et pas plus. Et ça réduit du coup le kilomètre qu'il y a de l'autre côté, dans la direction opposée. Un seul. On récupère un kilomètre de là. Enfin, tu gagnes un kilomètre de là et tu perds l'autre. Tu décales. Voilà. Ah, mais il ne peut pas revenir alors, le même jour. Hein? Non, il peut y aller revenir, bien sûr. Non, mais il a perdu un kilomètre. Non, dans cette direction, il a fait un kilomètre, il peut revenir chez lui après. Et s'il avait été chez lui, il a fait 2 kilomètres. 2 kilomètres, il ne peut pas y aller. Ah non. Il y a un repas, 1 kilomètre, et 2 kilomètres, il ne peut pas. Là, il peut plus aller. Ah, oui, on peut le faire. À 1,990 km. Là, c'est dans le cas où le copain habite en dehors de la ville. Ah, on est à 1 km en dehors de la ville, évidemment. Ah non, si on est dans la ville. On parle en dehors de la ville. La ville elle-même, elle peut faire 20 km si elle est très grande comme Marseille. Mais tout ça, on parle en dehors, à l'extérieur. Dans la ville même, on peut faire même 20 km. Ça marche, bien sûr, ça marche. Ça marche. Il n'y a plus de maison. Ça s'applique surtout dans les grandes, quand on va dans les montagnes, tout ça. Dans les villes. C'est un village, après, il y a 1 km, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est Aïrouf Tehomin. Et c'est ça où la Gemara, elle dit. Ça, les Hachamim, les Aïrouf Tehomin, ils l'ont, on va dire, Hachamim déduit un peu de la Torah. Comme c'est de la Torah. On doit le faire avant Hachera et pas après. Par contre, Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot, c'est quand il y a plusieurs maisons dans un immeuble ou dans une résidence. Il va faire Eruv entre eux pour porter dans la résidence. Ça s'appelle Eruv Hatzerot et ça, c'est des Hachamim. Et ça, on peut le faire après. Ah, d'accord. D'accord. C'est ça. Un, c'est avant et ça, c'est après. Un, celui qui est la Torah. C'est pas même la Torah, mais on a un petit peu pris de la Torah. Celui-là, il faut le faire avant la Shkira. Et l'autre. Même après l'Eshka, pendant le Benesh Mashot, on peut le faire. C'est quoi la différence entre la tombée de la nuit et la nuit? Oui, l'Eshka, c'est pas la tombée de la nuit, c'est le coucher du soleil. Et on va voir combien de minutes après. Benesh Mashot, c'est combien de minutes après, on le voit tout à l'heure. Ça, c'est première réponse. De Amar Danava. Alors, donc, on déduit par là que, donc, on a ici le coucher du soleil. Après, on a ce qu'on appelle Benesh Mashot, et après, on a la sortie des autres, la tombée de nuit, la vraie. Alors, Rava, il dit comme ça. Amdou l'oshnaim, se ve'arev alenu. L'ehad arev alam, odium, l'ehad arev alam, Benesh Mashot. Si deux personnes, ils disent à un monsieur, va s'il te plaît faire Eruv pour moi. Donc, va poser l'Eruv pour moi, ok? L'Eruv, c'est quoi, Hatserot? Non, pas Hatserot, ça c'est Tchoumin. Par exemple, donc. De quoi on dit poser alors? Poser, c'est quoi? Je te donne un sandwich, tu vas me le poser. À 1 km. Tu vas jusqu'à 990 mètres en dehors de la ville, tu me poses mon sandwich. Et l'autre aussi, il lui a dit, va faire ça. D'accord? Mais comment ils avaient la mesure pour mesurer le. Il y a la mesure. Comme aujourd'hui, on a la mesure, on voit la mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, lui? Alors, on va prendre une référence, comme ça, on est tranquille. On va dire, 5 heures, c'est le coucher. 6 heures, c'est mieux, parce que ça évite des histoires. 6 heures, c'est l'Ashkira. Avant 6 heures, on est dans l'Ashkira. Après 6 heures, on est dans le Benesh Mashot. Et on va dire 6h30, c'est carrément, c'est encore vu.
On prend une référence. C'est la tombée de la nuit, ça, c'est sûr. C'est Shabbat sûr. Non, Shabbat, c'est après l'Ashkara, Shabbat. C'est pas. L'Ashkara, c'est Shabbat. Nous, on fait 20 minutes avant l'Ashkara. Référence. L'Ashkara, c'est à 6 heures. Avant, c'est rien, c'est Hol. À 6h30, c'est nuit complète, c'est Shabbat certain, 100%. Entre 6h et 6h30, on va dire en théorie, c'est ce qu'on appelle Ben Hashmashot pour l'instant. Donc il y a une demi-heure. Par exemple, non, ne prenez pas, ça c'est un cas référentiel pour expliquer la Gemara. Pas 18 minutes, Ben Hashmashot. Non. Hein? Shabbat est rentré à 6h. Alors ça va, je prends 10 minutes. Allez, c'est bon, 13. Il y a 13. On va voir tout à l'heure, Mahloka. 13, 18, 1 minute. Avant l'Ashkara, on fait 20 minutes avant l'Ashkara. On reprend. 6h couché à. Le Ben Hashmashot, c'est après l'Ashkara. Juste après l'Ashkara. C'est dans les 10-15 minutes après l'Ashkara. C'est pas le Shabbat encore. C'est Shabbat. Hein? Jusqu'à l'Ashkara. Le Ben Hashmashot, ça veut dire si Shabbat rentre à 5h40. Encore rajoute 20 minutes. Maximum. Tu n'as plus le droit. Il y en a qui permettent encore 10 minutes de plus. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit la Gemara. Voilà deux messieurs, ils lui ont dit, va mettre pour nous un groupe. Alors, il est parti mettre un à 6h moins 5, et l'autre, il l'a mis à 6h 5. Donc, un, on est en plein jour, ça c'est certain. Mais l'autre, c'est là où est la question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends, les histoires vont arriver maintenant. Donc, celui qui a posé à 6h moins 5, à 6h 5, il a été mangé. Parce que le héros, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit présent pendant tout le laps de temps jusqu'à 6h 15, on va dire. À 6h 5, il a été mangé. Et celui qui l'a posé à 6h 5, il a été mangé à 6h 20. Voilà ce que c'est l'histoire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Il a posé à deux messieurs, lui ont dit, fais-moi mettre, pose-moi le Hérouf à Outhoum là-bas, 990 mètres de la ville. Il est parti les poser les deux. Un, il a mis, c'était 6h moins 5, on est encore hall complet. L'autre, il a mis, il était 6h 5 déjà. Donc on est après l'Ashkara, on est dans Ben Hashmashot. Celui qui a été posé à 6h moins 5, à 6h 5, il a disparu. Et celui qui a été posé à 6h 5, à 6h 20, il a disparu. C'est le héros ou c'est la bouche? L'a mangé, oui. Il vient un cher, le monsieur, il est venu la manger. Il ne trouve plus. Voilà, ça y est. Alors, ça donc du coup, normalement, un héros, quand il est pas présent, il n'est plus valable. Le problème ici, on va voir maintenant. Mais comment il en met deux héros? Pour deux personnes différentes. Ah, les deux, c'est un problème. On va voir maintenant. Et lui, comment il fait pour retourner maintenant? Non, lui, il peut rentrer parce qu'on est en. Lui, il marche sans porter. Lui. Il a posé la roue, il le laisse là-bas. Il s'en va, il rentre à la maison, il n'y a rien maintenant. Alors, la Mishnah, la Gemara dit. Alors, donc, celui qui l'a posé à 6h moins 5, il a été mangé à 6h 5, et celui qui l'a posé à 6h 5, il a été mangé dans la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez Nehem, Khana Aïrouf. La Gemara dit, les deux Aïrouf sont valables. Alors, on pose question, comment c'est valable? S'il a été mangé, il a disparu. Comment il se peut, c'est valable? Alors il explique. Manafshah. Et Ben Hashmashot et Mamahou. Bata l'ikhne, kamala l'ikhne. Si on considère que Ben Hashmashot c'est encore jour. Donc celui qu'on a posé. À 6h05. Il est bon. Ben Hashmashot. Non. Deux sont bons si c'est. Deux secondes. Ne parlez pas tous en même temps, vous allez vous embrouiller la patte. Celui qui a été posé à 6h moins 5 et qui a été posé à 6h 5, si on considère que 6h 5 c'est le jour, on n'a rien gagné dans l'affaire. Il est nul celui-là. Mais celui qui a été posé à 6h 5, il a été mangé à 6h 20, donc il a été posé à 6h 5, c'est encore jour, c'est bon. Il a été mangé la nuit, c'est terminé. Tu considères 6h 5, c'est Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, on a dit. 6h jusqu'à 6h 20, c'est Ben Hashmashot. Non, justement, nous, qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot. Oui, c'est ça. Alors, il te dit, point, premier c'est point. C'est pas valable, donc c'est pas Ben Hashmashot. Non. Si tu considères que Ben Hashmashot, c'est le jour, celui qui a été mangé à 6h 5, il a été mangé le jour, donc il sert à rien celui-là. Mais celui qui a été posé à 6h 5, mais il a été mangé à 6h 20, donc. Dans les 5 minutes après 6h15, c'est la nuit déjà.
Et donc il est valable pendant 5 minutes. C'est bon, celui-là, il est bon, il est valable. D'accord ? Maintenant, vous voyez, Benasoshot, l'Eliahu. Si maintenant on considère que Benasoshot, c'est la nuit. Celui qui a été posé à 6h moins 5, il a été mangé à 6h05, il est valable. Puisqu'il a existé pendant une minute, Benasoshot, ça me suffit. Et l'autre qui a été posé à 6h05, il a été posé la nuit, ce n'est plus valable. Parce qu'il faut le poser avant. D'accord ? Ben Asmashot Sfekahu ou Sfekad Rabbanan Lekulla. Maintenant, la Gemara dit Ben Asmashot, c'est quoi ? C'est un Safek. Donc on a dit Safek jour, Safek nuit. Et tu vois bien que dans les deux cas, on a permis les deux. Et comme c'est des Hachmim, alors on a été Mikil. D'accord ? Dans ce cas-là, donc, ce monsieur qui a posé le Eruv à 6h05 et qui a été mangé à 6h05. Et celui qui a posé 6h05 avec le Moshé Sorba, on a dit les deux sont valables, parce qu'on ne sait pas est-ce que le Ben Asmashot, c'est jour ou c'est nuit. Pour l'un, on va dire c'est jour, et ça quitte l'autre, ça valide l'autre. Et pour l'autre, on va dire c'est nuit, et ça valide le premier. C'est ramené cool dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais d'accord, mais tout dépend comment on considère Ben Asmashot. Justement, calcule-le comme tu veux. Mais comme on est un savet, dans le cas de ces deux messieurs, on va le compter voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc c'est toujours bon. Voilà, c'est toujours bon, c'est ce qu'on a dit. Les deux groupes sont bons. Pourquoi ? Parce qu'on a un doute. On peut dire monsieur Intel. Oui. Pour un, on dit oui. Moi, je te dis, pourquoi tu veux me dire que c'est pas bon ? C'est bon pour moi. Lui, il dit, pourquoi c'est pas bon ? C'est pas bon. Chacun, il... D'accord, mais chaque rave, pour lui, ça vaut pas. Non, un rave pour deux personnes différentes, là. C'est pas le rap, le rap. Donc il y en a un, il va dire pour moi c'est le jour, ou pour moi c'est la nuit. Moi je te dis, monsieur, pourquoi tu. Ben Asmashot, c'est ça fait que nous avons fait, on le sait ça. Moi je te dis, pourquoi tu me causes la nuit, c'est le jour, c'est un savet que c'est le jour. L'autre dit, pourquoi tu dis Jason, non c'est la nuit. Donc c'est bon. Mais l'heure, bon. On peut mettre dans les deux cas. On a dit, ça marche dans les deux cas. Continuons. La marava, mais pénéma arbre, elle me tombe, mais d'abord sinon, moi c'est faval, mais chacha, que c'est la chemine. Alors, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, si on a safek, pas safek, on a de faire de hatmana. Rappelez-vous, hatmana, c'est quoi ? Avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui de plaque. Ils avaient la dafina qui était très chaude. Ils prenaient une couverture et l'enveloppaient dans la couverture. Ils la mettaient avant Shabbat dans un petit coin. Jusqu'à demain, midi, on a mangé, elle est encore tiède. Ça marche. Donc la Mishnah, on a dit, si on est ben Asmashot, on a le droit de faire ça. Mais ça veut dire, si c'est nuit, c'est assaut. Alors on a dit, pourquoi c'est assaut ? Imagine Shabbat, la nuit, c'est 6h20, comme on vient de dire maintenant. Il a oublié de faire une couverture. Il a la devinée encore chaude. Il prend une couverture, il la met, il la met de côté. Pourquoi c'est assaut ? Pourquoi c'est assaut ? Et moi, il a dit, je mets à terre. Parce qu'on craint, si tu lui permets de faire ça, il va trouver que la casserole n'est pas très très chaude, il va la mettre un peu dans le feu. Mais il a le droit de la tirer pendant le Shabbat. La tirer ? Nous, on a dit pour la cacher. On est cacher pendant le Shabbat, oui, le problème. Dans la mesure où Il a tiré du feu, il l'a mis là-bas, c'est bon, puisqu'il était avant pas Shabbat. Pas Shabbat, avant Shabbat, il peut faire ça, pas avant Shabbat. Mais elle était sur la plaque Shabbat, c'est pas qu'il... Il n'y a pas de plaque, monsieur. Hier, avant, elle était sur le gaz. Le four. Sur le gaz, elle est cuite, il veut, avant il la prend. Deux secondes, arrête. Deux secondes. Il y a une casserole qui est cuite, vendredi après-midi. Shabbat, il rentre à 6h. 6h moins 5, tu as le droit de la prendre du feu, tu la couvres dans une enveloppe, dans une couverture, tu la montes dans un coin jusqu'à demain, c'est bon. 6h20, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd ? Parce qu'on a dit, se met à terre. De peur que tu vois qu'à 6h20, elle n'est pas encore très très chaude, tu as peur que demain tu vas la trouver froide, tu vas la réchauffer un peu. Quoi, que je la réchauffe le lendemain ? Maintenant ! 6h20, Shabbat ! Tu peux la laisser même jusque pendant Shabbat, même pendant la nuit. Pourquoi ? On a peur que tu trouves ta casserole tiède. Et à 6h20, tu la mets sur le charbon pour qu'elle cuise pendant Shabbat. Ah, toi-même, non, tu le fais. C'est la crainte. Donc, si tu veux faire ça, tu le fais avant l'entrée du Shabbat. Alors, c'est là où l'agma a posé une question, oui. De 6h à 6h20, tu as le droit de la laisser après de la couvrir. Ben Asmashot. On a dit, ça fait rachera, ça fait rachera. On a droit de t'emmener. Avant 6h. Avant 6h ? Bah oui. Les 20 minutes, Et dans la Ben Asmashot, la Mishnah, elle a dit, on a le droit aussi. Jusqu'à 6h20. Voilà, 6h10, 6h15, on va dire. D'accord, c'est pour ça que la Gemara a dit,
Pourquoi à 6h20 on n'a pas le droit? Donc c'est 6h Benach Machot, première partie, deuxième partie, alors c'est les deux premiers. Voilà, on ne sait pas encore ce que c'est Benach Machot, on va le voir maintenant. De la morale va l'expliquer maintenant ce que c'est Benach Machot. Donc ça a changé par rapport à aujourd'hui. Là. Mais non, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Mais aujourd'hui, par exemple, tu as un plat sur... Écoute, ta femme, quand tu as mis la plaque, elle le met avant l'entrée des chapeaux. D'accord. Point la ligne, c'est terminé. Non, mais c'est plus la même chose qu'avant, on ne fait plus Hatmana. C'est pas ça qui nous change, c'est pas parler de plaque. Mais si. Là, on parle de Hatmana. Aujourd'hui, on ne fait plus de Hatmana aujourd'hui. Ah ben, il n'y a pas la plaque là-bas. C'est quoi Hatmana? Hatmana, c'est recouvré, enveloppé dans une couverture. Voilà, donc il n'y a plus ça aujourd'hui. Mais ça paraît, c'est pas que la halakha a changé. Si quelqu'un a envie de faire ça, il peut le faire, mais alors ça marche pas. Alors, si je laisse allumer le feu Shabbat, bon. Tout le Shabbat, le feu, il va rester allumé. Très bien, quel temps prends-tu? Je veux, pendant le Shabbat, je laisse faire le truc, la marmite. Je veux, par exemple, à minuit, je prends ma casserole, je l'enlève. Enlève-la, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi là, il dit non? Ah, c'est ce que tu as dit. Mais non. Les 10 minutes de l'Imha, là. Les 10 minutes. Là. Je répète. J'ai dit, on n'a pas le droit de l'envelopper dans une couverture. Ah, c'est que le fait d'envelopper quelqu'un. Oui. Hatmana, c'est ça, envelopper. Alors, donc, on a dit, donc, à 6h20, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? On a peur. Si tu la trouves tiède, tu vas la chauffer un peu, après tu l'enveloppes. Elle se chauffe un peu. On est en Shabbat, on est déjà dans Shabbat. Bon. Alors dans ces cas-là, pourquoi de 6h à 6h15 tu permets? Est-ce qu'il y a un doute? Mais non, quel doute? Pourquoi tu permets? On a dit dans le Mishnah, 6h, 6h15, tu peux le faire. Et pourquoi tu ne crains pas que tu vas la chauffer? Il dit non. Il dit écoute, à 6h, c'est encore chol. Tout le monde met ses casseroles dans le feu. La casserole, c'est sûr qu'elle est chaude. D'accord? 6h. Et quand? Ah non, on a dit c'est Benach Machot, ça. Donc c'est Benach Machot, j'ai le droit, j'ai pas le droit. On a le droit. Alors, pourquoi tu as le droit? La question c'est pourquoi tu as le droit? Pourquoi à 6h20 tu n'as pas le droit et à 6h15 tu as le droit? C'est normal, j'ai le droit à 6h15, j'ai pas le droit à 6h20. Pourquoi tu n'as pas le droit à 6h20? C'est la limite, c'est 6h20. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai pris une casserole, je l'enveloppe dans une couverture. Quel haram il y a? Il n'y a pas de haram ici. Vous avez dit, vous avez répondu, de peur. De peur que? Alors pourquoi de 6h à 6h15 il n'y a pas de peur que? Ils viennent de la sortir. Parce qu'elle vient de sortir du feu, parce qu'on était en hall. À 6h moins 1, la casserole était sur le feu, elle était bouillante. Donc tu risques pas de rallumer. Donc on te dit, mets-la dans une couverture, c'est bon. Mais à 6h20, elle peut y dire entre-temps. Mais non, mais si je la prends à 6h15, moi, du feu. Mais c'est pour ça qu'on t'a permis à 6h15. De 6h à... Je la prends pas à 6h, je la prends à 6h... 15, 10, oui. Et je l'enveloppe entre 6h15 et 6h20. Non, ça, non, on a dit. Mais pourquoi? Le Benach Machot, tu es en train encore de jouer sur cette limite, on ne joue pas avec ça. On est en train de... C'est 6h. La limite, on va le voir dans Benach... On va le voir de suite dans Benach Machot. Attends, c'est les Benach Machot, on va voir ce que c'est. C'est pour ça, moi, je reste prudent comme ça. Allez, on continue. L'Agma a dit une autre question. Et alors pourquoi dans ces cas l'Agma a dit même vendredi, on n'a pas le droit d'envelopper une casserole dans une source qui continue à amener de la chaleur. Je prends un exemple. Avant c'était des trucs, des olives et tout ça. Aujourd'hui, tu mets une casserole dans une plaque. Et tu recouvres toute la casserole dans une enveloppe, c'est interdit même vendredi après-midi. Dans une plaque. Plaque en bas, ouais. Et couvrir entièrement. Mais la plaque, elle chauffe. Ah, bien sûr, elle chauffe. Et tu couvres toute la casserole en haut avec une couverture de tous les pourtours. Ça, même vendredi, c'est à source. Pourquoi on dit. La couverture brûlée. Pas, non. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si tu permets de faire ça, demain, il va la mettre dans un four où il y a de la cendre et tout ça. Au lieu de la laisser dans une couverture. Et moi, je dis, il n'a qu'à la mettre là-bas, quel est le problème? Non, là-bas, je mets Hatibé Gahalim. Après, il risque de bouger les braises quand il voit que la finale n'est pas très cuite le matin. D'accord? Donc, ça, même vendredi, on n'a pas le droit de faire. Bon. Maintenant, Tano Rabbanan, Haramim nous enseigne. Benach Machot, on va parler de Benach Machot, c'est tout le problème donc, de la poche d'aujourd'hui. Ça fait que Manayam Aminalel, ça fait que le Manayam, ça fait que le Manalel. Il dit, on peut le considérer soit jour entier, enfin les Benach Machot, on va voir tout à l'heure combien ça dure. Mais pour l'instant, Benach Machot, on peut considérer tout ces jours, on peut le considérer tout nuit, et pour le considérer nuit et jour, les deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Dis non. Dans ces cas-là, on va être sévère et on va le considérer comme deux jours. C'est-à-dire, des fois, en un jour,
on va voir tout à l'heure les conséquences pratiques. Un jour, ça va être divisé en deux jours, en fait. D'accord ? On verra tout à l'heure comment. Mais juste avant, la Gemara dit, mais Ezo Benesh Mashem. Non, deux jours. Une minute dans Benesh Mashot, si tu vas la mettre en deux jours différents. On va le voir tout à l'heure, après. Il y a une conséquence pratique très facile. Pour l'instant, la Gemara dit, c'est quoi Benesh Mashot ? C'est quoi le Benesh Mashot ? La Gemara dit, dès que le soleil se couche, tout le temps que la face de l'est elle est un peu rouge, vous voyez, quand le soleil se couche, c'est un peu rouge le ciel en bas. Si maintenant, la partie basse du ciel, quand on va à l'horizon comme ça, la partie basse du ciel elle noircit un peu, elle s'obscurcit, oui, ça c'est Benesh Mashot. Si maintenant, la partie haute du ciel s'obscurcit, ça c'est la nuit. Voilà les trois références pour l'instant. D'accord ? Et c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Nehemia, il dit non, monsieur. Le Benesh Mashot, c'est de quoi un homme peut marcher à partir du coucher du soleil, 500 mètres. Sachant que le 1000, selon les références habituelles de Haramim, c'est 18 minutes. Donc, 9 minutes. Et 1000 quoi ? Un kilomètre. On marche 1 kilomètre en 18 minutes. Lui, il a dit, c'est 1000, donc c'est 9. Donc, lui, pour lui, c'est 9 minutes. Benesh Mashot, c'est 9 minutes. Combien tu mets ? Rabbi Yossé Omer, hein ? Il marche doucement, hein ? Hein ? Rabbi Yossé, il était dit, tu regardes ça. 40 minutes, 4 kilomètres. 4 kilomètres, je vais. Ouais, mais bon. 10 minutes le kilomètre. Tu marches. C'est pas une marche habituelle, c'est une marche légère, rapide. C'est pas une promenade. Alors, l'agma dit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé Omer ben Benesh Mashot ki hedef ayin, ze nechnas veze yotze, veze yotze, ve efshar la'amod alav. Rabbi Yossé lui dit non, Benesh Mashot, c'est une seconde. Si? Une seconde. C'est passage. C'est, voilà, il dit, on peut pas le trouver. Voilà, tu passes de deux jours à nuit, ça prend une seconde. Donc, on ne peut pas le voir. Donc, pour lui, c'est la shkira. Donc, tu vas jusqu'à 6h20, par exemple. Pas du tout, au contraire, c'est la shkira. Tu restes à la shkira. 6h. Eh oui. Voilà donc un peu les trois avis. C'est encore jour, 6h20. Non. Non. Pour eux, lui, il dit comme ça. La shkira. C'est le passage du. Le truc du passage jour-nuit, ça, c'est un instant. Il ne donne pas les 20 minutes. Non, il n'y a pas 20 minutes. Il fait jour beaucoup. C'est comme ça. Il fait jour. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, non ? Non, pas du tout. On dit 20 minutes. Le calendrier, c'est 20 minutes avant. Ça, c'est pour l'allumage. Mais donc, dans ce cas, on a encore Benesh Mashot. Aujourd'hui, on considère Benesh Mashot entre 10 et 11, 12, 13 minutes. Aujourd'hui, il y a le calendrier, 20 minutes après, il y a Shkia. Et après Shkia, il y a encore du temps. 10 minutes à peu près, si vraiment il y a des 4. Non ! Attention, ne confondez pas. Dans ce Benesh Mashot, on ne peut faire que des choses qui sont des hachamim exceptionnellement. Tu ne peux pas allumer, non. Pas du tout. Shabbat, on s'en fout. On voit l'heure du calendrier, il y a 20 minutes en plus pour ajouter sur la skia. Dans des cas exceptionnels, parce que le Tosefet, il faut le faire. Avant, je suis dans la voiture maintenant. Tu as la skia, Benesh Mashot, tu es dans la voiture, tu as encore 10 minutes. Non, 20 minutes. Non, il parle après la skia déjà lui. Moi, ça m'est arrivé. Tu as la skia, tu as 20 minutes. Pour l'événement bouteillage, Shabbat est rentré à 6h, je suis arrivé à la maison à 6h18. C'est bon, tu es encore avant, parce que nous, on prend 6h, c'est 20 minutes avant. Donc, tu es encore le jour. Tu es à la limite, toi, tu vois, parce que 2 minutes, c'est vraiment limite. Tu jettes ta voiture, Bah, tu la mets à la synagogue et tu rentres à pied. Après Benesh Mashot, tu as encore 10 minutes. Ouais. Est-ce que tu as le droit de conduire avec la voiture ? Tu la laisses ? Non. Tu la laisses, tu marches. Voiture, parce que pendant les 10 minutes, ceux-là, on a le droit de faire que des choses hachamim, pas toi. Mais si la voiture est en marche, tu as le droit ? Non. Parce qu'on a le droit dans un. Pas du tout, à chaque fois que tu accélères, tu fais un truc de la Torah, monsieur. Amar mort, messieurs, vous me mettez en retard là. Amar mort, matelé noto les homos niyamim, les maïrkhedas. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure que ce Benesh Mashot là, on le considère en deux jours ? C'est quoi quel conseil ? C'est quoi la pratique ? Il explique. C'est un petit peu au niveau de l'impureté. Rappelez-vous, on a vu pour un homme qui a des écoulements, vous vous rappelez, s'il voit un seul écoulement, il est tamé un jour. Deux écoulements, ou bien en un jour, en deux jours, il est tamé pendant 7 jours. S'il en voit 3, il est tamé pendant 7 jours, plus il apporte un corban. Ça, c'est Zav
On a déjà vu ça avant. Kedetnat. Alors, Ashni Yamim Benashmashot. Il dit, un homme, imaginons, Benashmashot, c'est 6h, 6h15. Alors, un homme, il a vu aujourd'hui 6h10. Demain, il voit 6h10. Oui. Alors, on peut dire, soit... Bon, je résume la... C'est dans le même jour qu'il a eu les deux écoulements. Non. Alors, écoute bien. Il a eu un écoulement. Par exemple, aujourd'hui, on est mardi à 6h10. Et demain, mercredi, à 6h10. Voilà les possibilités. Soit tu considères... Voilà. Est-ce qu'il est à mai? Combien? Alors, soit tu dis les deux séjours. Donc, il a vu en deux jours. OK? Soit tu dis les deux ces nuits, il a vu en deux nuits, donc c'est deux jours différents. Donc ça fait, il a vu deux fois, c'est sept jours sans corban. Soit tu dis que il a vu la première fois, c'est jour plus nuit. Puisque on a dit, le benasmashot, ça peut être aujourd'hui, ça peut être la nuit, donc le lendemain. Et donc si tu dis aujourd'hui, mardi, il a vu déjà en deux temps, donc il a pris déjà deux jours. Le lendemain, si tu considères le lendemain, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'il a vu encore le troisième jour, le lendemain. Ça fait trois jours et donc il est à mettre. C'est deux jours. Je répète. Écoutez bien ce que je dis. On a un doute sur le benashmashot. Est-ce qu'on le considère jour ou nuit ou les deux? On a dit tout à l'heure. Si tu dis que mardi, quand il a vu à 6h10, il a vu jour et nuit. C'est la première fois ou la deuxième? La première. Alors si tu dis jour et nuit, ça veut dire qu'il a vu deux fois. Lui, il a vu une fois, mais tu partages la vue en deux. Donc il a vu mardi plus mercredi. Et maintenant, si mercredi à 6h10, tu considères ça la nuit, ça veut dire qu'il a vu jeudi. Donc il a vu mardi, mercredi, jeudi. Et donc il est à même 7 jours. Ou bien tu dis non. Il a vu mardi, c'est le mardi. Mercredi, c'est le mercredi. Ça fait que deux. Soit tu dis mardi, c'est le mercredi. Et mercredi, c'est le jeudi. Ça fait encore deux jours. Donc ça fait que tome 1 est corban. Pour la tome 1, on ne le sait pas. C'est ça le. On le sait pas. Il y a 24 heures qui sont écoulées, ça y est. Non, on s'en fout de la 24 heures. C'est les questions de Benashmashot. Comme ça, avant de définir c'est quoi Benashmashot. Parce qu'on ne le sait pas, justement. Ouais, on est en train de te dire. Et non, justement, c'est pour te dire que la conséquence pratique, tu peux des fois avoir des cas douteux. Comme il dit ici, les Aïna Toma, qui est dans la Hachni Ami Benashmashot, ça fait les Toma ou les Kodban. Il est de savoir pour un tomain, est-ce qu'il t'a mis un jour? Regardez, il peut être t'a mis qu'un jour. Comment? Si on considère que mardi, c'est le jour. Donc, il a vu mardi, le jour. Ici, quand il a vu mercredi à 6h15, tu considères ça, c'est la nuit. Donc, il a vu jeudi. Donc, il a vu mardi une fois et jeudi une fois. Le mercredi, il n'a pas vu. Donc, ça ne s'associe pas. Donc, il est t'a mis pour un jour seulement. Vous voyez? Donc, il peut être t'a mis un jour. Il peut être tamé 7 jours. Il peut être tamé 7 jours plus Corban. Et on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, dans la Gemara, il explique là-bas qu'il va être tamé 7 jours parce qu'on est Mahmir. C'est ce qu'on a dit, les Humra. Mais comme le Corban, on n'a pas le droit d'amener. Pourquoi? Parce que le Corban ici, c'est un oiseau. Et que l'oiseau, le Kohen, il fait par derrière. Et donc, et normalement, il le mange. Mais comme c'est un Safek, il fait le Corban comme ça, mais il ne le mangera pas. Parce que peut-être que ce n'est pas un bon Corban. Donc il apporte le Corban, mais il ne mangera pas. Comment il peut dire ça? Mlikha. Rabbi, mais dans un autre idée, pour l'accouchement d'un enfant, qu'est-ce qu'on prend comme... C'est là, on est mahmer toujours. Toujours? On est mahmer toujours. Et c'est quoi la mahmer avant? Ben, ça, dans l'autre, on compte toujours le lendemain, quand c'est Shabbat. On considère que c'est la nuit, alors. La nuit, et des fois non, parce qu'imagine qu'il fait vendredi. À 6h10, voilà, vendredi soir, 5h. Non, ni vendredi, ni samedi, on fait dimanche. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est samedi, peut-être c'est vendredi. Ici, c'est vendredi, c'est un truc qui n'est pas en son temps. On n'a pas le droit de faire des Shabbat, un truc qui n'est pas en son temps. Mais prenons l'autre jour, lundi par exemple. Ah, lundi, on fait mardi. Ah, on ne fait pas le lundi. Toujours. On passe au lendemain. Pour le Shabbat, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça c'est pour le Shabbat. Oui, pour le Shabbat. Allez, Ra'ayum Ehad Ben Ashmash, soit ça vire le Thomas seulement. S'il a vu un seul jour, Tamé, ou un Tamé 1 ou Tamé 7. Est-ce que pas de le retarder d'une journée en plus? C'est vrai? Il vaut mieux le retarder que le faire moins. C'est sûr. Le fait de faire le brik mila Shabbat, tu considères comme Ehad Shabbat? Si c'est en 100 ans, non. Mais si c'est pas en 100 ans, oui. En lui-même, là. Si c'est en 100 ans, non. Si c'est en dehors du temps, non. Et donc c'est là que ça s'appelle en dehors du temps. On n'a pas le droit de faire. Allez, l'agma dit à Goufa Kachia. L'agma, elle parle de tout à l'heure quand on a dit. Le bas du ciel il a rougi, le ciel en haut il a noirci, il a augmenté comme ça. D'abord tu me dis c'est quoi Benashmashot? Tu me dis comme ça, c'est quoi Benashmashot? Dès que le soleil se couche, quand le ciel il est rouge. Après tu me dis
Donc moi je comprends que quand le ciel s'obscurcit, il n'y a plus Benas Mashiach, t'es né plus tard. Après toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, Hirsif, Benas Mashiach. C'est pas normal. D'abord tu me dis, le Benas Mashiach, c'est quand le ciel est rouge. Après tu me dis, le Benas Mashiach, c'est quand le ciel est en bas noir, il s'obscurcit. Il faut choisir. Il est dit, c'est pas comme ça. Il faut dire, Ezeu Benas Mashiach. C'est quoi le Benas Mashiach? C'est dès que le soleil se couche, tout le temps que la face de l'est elle est rouge. Et ça aussi, et quand il y a le ciel qui s'obscurcit, c'est encore Benas Mashiach. Le ciel qui s'obscurcit en bas, pas en haut, c'est encore Benas Mashiach. Mais dès que le ciel s'obscurcit en haut, ça c'est la nuit. Merci, Vatarton. Ha'ilion, Veshva, Vatarton. Là, il a. Maintenant, Rav Yosef Amanavid a dit non. Il dit autre chose. Il répond autrement. Il dit Amal Shmuel Achikatan. Mais c'est Ramagos Amanadimi, yo. Merci, Vatarton, Sevalion, Benas Mashiach. Il dit comme ça. Lui, il dit, quand le ciel est rouge, c'est encore jour. Dès que le ciel s'obscurcit en bas, c'est Benas Mashiach. Quand il s'obscurcit en haut, c'est la nuit. Pourquoi il ne dit pas tant qu'il y a de la lumière? C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? La lumière, c'est tant qu'il y a le soleil qui brille encore jusqu'à... Mais tu sais bien que le soleil, quand il se couche, il devient un peu rouge. Oui. Tu as vu? C'est romantique, là. C'est le jour. C'est la lumière. Mais est-ce que le rouge, c'est la lumière ou c'est le rouge? Bien sûr, c'est la lumière. Ben non. Mais quand il est rouge, il n'y a plus de lumière. Si on est un petit peu en face de... C'est ce qu'on est en train de dire. Il nous dit, Prenimus Dharma Adimim. Oui, mais quand il est rouge, il n'y a plus de lumière, monsieur. Quand le soleil est rouge, il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas de lumière. Allez. Alors, maintenant, il dit l'agma, il dit, vers de l'état, maïo. Et donc, ces trois harmim, ils vont selon leur raisonnement d'avant. Lequel? Détma. C'est où le Benas Mashiach de Kama? Justement, on va parler maintenant, c'est combien il dure le Benas Mashiach. Amalaba Malevda Mal Shmuel, c'est le premier, il a dit, Shlosha Hilkimil, trois parts d'un kilomètre. Trois parts, Blakal. L'agma a dit, c'est quoi trois parts? C'est quoi trois parts? Il est maintenant pas le guillemets là. Si tu veux dire trois demi-mille, ça fait un mille et demi. Enfin, si on dit. Trois parts, c'est divisé par trois. On ne sait pas ce que c'est. C'est ce qu'il lui dit. C'est quoi trois parts? Est-ce que c'est trois demi? Trois demi-kilomètres, ça fait un kilomètre et demi. Alors dans ces cas-là, ni ma millomère, ça dis-moi un kilomètre et demi. Pourquoi tu me dis trois parts? Et là, t'as tu dis, si c'est maintenant trois parts, c'est trois tiers, ça fait un kilomètre entier, alors 10 000. Alors, il dit quoi? Tu sais quoi, Atlanta de 20 000? Il dit, en fait, c'est trois quarts d'un mille. Quand on dit trois parts, c'est trois quarts d'un mille. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sur cette 20 000, nous, on fait aujourd'hui comme ça. Trois quarts d'un mille? Ouais. Le mille, c'est 18. Oui. Divise par 4. C'est quoi le mille? Le mile? Ouais, le kilomètre. 4 et demi. Trois quarts, c'est 13 minutes et demie. C'est ce qu'on fait les 13 minutes aujourd'hui. Ah, c'est le bien espace. C'est quoi le mile? Ah, d'accord. Ça, c'est Rabba. Maintenant, mais là, vous savez, maman, la vie d'Amal Shmuel. Hein? Un mile, c'est quoi? Un kilomètre, on est voisin d'un kilomètre. Il y a c'est le mille de la Torah. Non. Ça, le mille de l'Agmara, c'est pas le mile américain ni chinois. Ah, c'est quoi? Pourquoi il y aurait quatre parts? Parce que pourquoi tu dis trois parts? Trois de quoi? Justement, on veut savoir ce que c'est. Toi, tu as dit trois. Trois quoi? Si tu dis trois demi, alors dis un kilomètre et demi. Si c'est trois tuyères, dis un. Il reste trois quarts. Et ça peut être trois cinquièmes. Pour l'instant, dans ces cas-là, tu dis pas trois parts. Il faut, quand on veut expliquer une chose de façon... fermé comme ça, on la devine tout seul. Si tu veux être plus explicite, t'as qu'à te préciser plus. Non, il a dit trois quarts. Il a dit trois parts. Nous, on est trois. Qu'est-ce qu'on a trois parts? C'est trois quarts. Rav Yosef, il dit, il a dit deux parts d'un mille. Deux parts d'un kilomètre. La Gemara dit, c'est quoi deux parts? Si c'est deux demi, c'est un. Si c'est deux quarts, c'est un demi. Alors, c'est deux tiers. Deux tiers, c'est 12, alors, le 13 et demi. Il veut dire 12 ou le 13 et demi. Voilà, lui, il est moindre. Il dit deux tiers. C'est ce qu'il a dit. Et là, 30 000. Maïbénin, c'est quoi la différence entre trois quarts et deux tiers, les matheux? Une minute et demie. Combien? Une minute et demie. Trois minutes. C'est un douzième. Et Kabénin peut garder d'un cran. Un douzième. Un deuxième, c'est donc... C'est compliqué comme ça, puisqu'on fait 13 et demi, moins 12, ça fait 1,5. C'est la différence entre 1 et 10, 3 quarts. 1 et demi... Sur 18. Sur 18, ah oui, 1 et demi sur 18. Non, on veut de...
Ah, il dit 3 quarts, l'autre dit 2 tiers. Tu vas chez un matheux, tu dis c'est quoi la dimension de Dieu ? Il dit 1 douzième. Parce que 3 quarts égale 12 douzièmes. Et 2 tiers égale 8 douzièmes. Non, 3 quarts, 9 douzièmes. L'autre, c'est 8 douzièmes. 9 et 8 douzièmes, c'est 1 douzième entre les deux. Attends, c'est pour les matheux. Je sais que vous n'êtes pas très. Alors, allez, on finit avec ça. Il a dit, donc, on a vu, c'est Rabba et Rabbi Yosef. Rabba, il a dit 9. Lui, il a 8. Et dans la hala, c'est le contraire. Un, il est plus grand que l'autre. C'est quoi? Il dit comme ça. Damaraba halata. Pardon, c'est pas la hala. Halata, c'est la mesure d'une ruche d'abeille. La ruche d'abeille, en fonction de son volume, ou tu la considères comme un ustensile et tu peux la déplacer, ou tu la considères ça comme un ustensile et tu n'as pas le droit de déplacer. Par exemple, aujourd'hui, tu prends quelqu'un, il a un grand placard chez lui à la maison, une armoire. On n'a pas le droit de déplacer Shabbat, même si tu as besoin. Pourquoi? Comme il est posé là-bas et qu'il est volumineux et tout ça, il n'a plus le statut d'ustensile. Alors là, il dit comme ça. Hallata, batteri kode, shadel tato. Quand elle fait deux corps, on peut la déplacer. Mais trois, c'est à sourd. Rabbi Yosef dit non. Tata, on a le droit. Quatre, on n'a pas le droit. Donc, vous voyez? C'est quoi le corps? 300 litres. 250, je crois, non? Combien il a dit? 250, on l'a vu déjà. Voilà, 250 litres. D'accord? Voilà, vous voyez donc ici, Rabba, c'est lui qui a dit le plus petit, et Rabbi Yosef, il a dit le plus gros. Alors que nous, chez nous, on a dit c'est Rabba qui est le plus gros et Rabbi Yosef. C'est pour ça qu'il a dit plus et moins. Comme. Non, je crois que. Non. Comme donc après ça va aller. On continuera demain, c'est pas grave. Allez. Amal Abbé Amené des Moms Charat Marassé. Oh, il va expliquer pourquoi. Tout dépend les endroits, la minute elle se couche plus ou moins vite que...